c'est un séminaire qu'on a souhaité organiser dans le cadre du réseau rural national, parce que le réseau, en fait, aussi bien national que les réseaux régionaux, ont une mission, enfin un rôle, en fait, d'appui à la coopération. Il y a à la fois les réunions qui sont organisées au niveau national de soutien, d'accompagnement des correspondants COPE des réseaux régionaux, mais également tout l'appui qui est apporté aux porteurs de projets ou au montage et surtout aux liens qui peuvent être faits pour trouver des projets de coopération. Pour l'organisation de ce genre d'événement, évidemment, de portée nationale et même, je dirais, internationale, ce qui est très important, c'est de pouvoir travailler en partenariat avec les réseaux régionaux. Et là, c'est le cas. Donc, un séminaire organisé avec les réseaux régionaux Rhône-Alpes et Auvergne qui ont participé très activement à l'organisation. La participation des GAL à cet événement est importante. Nous avons de l'ordre de 130 participants, une grande majorité de GAL français, mais aussi une quarantaine de représentants des GAL européens, en tout 11 États membres, ce qui est déjà en soi une réussite par rapport à l'objectif de cette rencontre. Alors on a vraiment conçu un programme à la carte, qui permet, quel que soit son stade d'avancement dans la coopération, d'avancer dans son projet. Qu'on soit débutant, qu'on soit déjà initié, qu'on ait une idée, mais qu'on soit à la recherche de partenaires, tout est normalement fait pendant cette rencontre pour permettre à chacun d'avancer et de passer à l'étape suivante. On a conçu à la fois des ateliers thématiques pour donner des idées concrètes, des ateliers méthodologiques pour donner, expliquer le process du montage d'un projet de coopération. Et puis évidemment, on a tout cet espace foire coopération qui est là vraiment pour inciter, impulser, créer des nouveaux échanges entre les territoires. Donc on a à la fois des stands qui permettent de rencontrer les Européens et les Français. On a derrière nous ici tout un panneau qui regroupe l'ensemble des annonces de coopération avec déjà des rendez-vous qui sont pris. Il y a un tableau où les gens peuvent laisser des messages. Donc les contacts sont en train de se développer et vraiment ça fonctionne. On s'est rencontrés par offre de coopération interposée. On s'est parlé plusieurs fois au téléphone. On a émis l'idée de monter un projet de coopération ensemble et on a profité de la rencontre ici pour se rencontrer de visu. Voilà, et on est en train de vérifier que nos territoires sont sur les mêmes problématiques. En attendant nos partenaires hongrois, même fois on échange avec les autres GAL de l'Auxois et du Limousin pour affiner un petit peu notre stratégie, trouver des points communs de convergence pour essayer en particulier de travailler sur tout ce qui est circuit court, vente directe. Il semblerait que oui, on ait des points communs. C'est vrai que l'opportunité qui nous a été donnée avec ce séminaire, j'espère, va nous permettre de concrétiser d'ici l'année prochaine quelque chose. Donc chaque territoire a une vision un petit peu différente de ce qu'est le circuit court et on confronte un peu nos opinions, nos idées, nos stratégies de territoire pour trouver des points communs qu'on présentera à nos partenaires étrangers. Le GAL Vallée du Lot dans le Lot-et-Garonne cherche un partenaire sur l'entrepreneuriat des jeunes. Ce matin, il y a eu un atelier sur ce thème-là auquel ont participé les GAL suédois. Il vient juste de l'appeler en prenant le numéro sur la fiche. You spoke to Marina in Bordeaux regarding the possibilities for a transnational youth project. So I think there should be some nice possibilities for a future cooperation. Dans le cadre donc des 50 ans de la PAC, en cette année anniversaire, c'est assez important de remettre la coopération au centre des débats, de réaccentuer un peu l'importance de la coopération. C'est ce que nous, on essaie de faire au niveau de la Commission dans la proposition de règlement pour la future période de programmation. L'Europe se construit avant tout dans les territoires et c'est avant tout une histoire de personnes. Donc ce sont des gens qui se rencontrent, qui font découvrir leur territoire, qui ont envie de découvrir d'autres territoires. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur au sein de l'Union européenne. Dans le cadre de ma mission au sein du réseau rural, j'accompagne les territoires leaders pour développer de la coopération et notamment la coopération transnationale. Et on m'avait demandé avec ma collègue Marianne Brun d'animer l'atelier sur comment construire, comment définir une action commune. On a proposé qu'ils travaillent en groupe pour qu'ils identifient les éléments importants de l'action commune, qu'est-ce qu'ils entendent par partenaire et gestion de projet, et qu'à partir de ça, ils en ressortent les éléments clés. Ont été confrontés par la suite aux témoignages de GAL
et donc l'expérience concrète de la coopération. Quand on dit l'action commune, c'est difficile de la construire, on voulait leur montrer qu'en fait, l'action commune, ils ont tous déjà une notion de ce que c'est et une notion de comment la mettre en œuvre. La coopération leader, c'est simple. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a un véritable impact sur les territoires, un impact pour l'égal. Non seulement on rapproche les acteurs du même territoire vers un projet commun, que l'on co-construit avec nos partenaires locaux, mais on a en plus une construction véritable de notre esprit européen en le faisant avec des partenaires extérieurs et en développant ensemble des actions communes qui pourront être un véritable plus pour le développement local. On a sur notre territoire un patrimoine, donc le canal de Berry, qui n'est plus regardé par ses habitants. Et donc la coopération nous est apparue comme un bon moyen de porter un nouveau regard sur ce patrimoine par déjà l'apport d'un regard extérieur de partenaires qui est également ont un patrimoine de canaux, un patrimoine fluvial en Angleterre. C'est capturer l'intérêt des habitants par le biais d'un programme d'échange qui fait venir des visiteurs étrangers, tout le travail de communication qui est fait autour, et notamment la production d'outils, également de communication et de promotion. S'il y a tout un projet de valorisation et de mise en tourisme de ce site et de ce canal de Berry. Donc on est en train de travailler sur la création d'une plateforme de réservation téléphonique de caissettes de viande. Le but, c'est de permettre aux habitants des deux territoires de se procurer plus facilement de la viande locale. On est parti donc sur une coopération de proximité, un projet très concret qui émane d'une demande des éleveurs des deux territoires, et c'est très cohérent parce que donc c'est deux galles limitrophes avec un abattoir qui est un peu à la jonction des deux galles, et 90% des éleveurs des deux territoires utilisent l'abattoir. Donc on est vraiment sur une échelle plus pertinente avec la proximité en plus de l'agglomération mulhousienne qui nous permet d'avoir un impact un peu plus fort sur notre projet, quoi. J'ai eu la chance de participer en 2011 à un jumelage entre les ministères de l'agriculture français et les ministères de l'agriculture turcs pour implémenter l'initiative leader sur ce territoire qui est en cours d'adhésion à l'Union européenne, sur un territoire pilote qui était le district d'İskilip, qui est situé à 150 km d'Ankara en Anatolie centrale. On transmet. La coopération, c'est aussi une transmission de savoir-faire, de techniques. Nous avons un projet de 6 000 euros, donc de l'idée au projet sur le territoire d'İskilip, même s'ils ne sont pas encore labellisés groupe d'action locale, pour travailler sur la valorisation des fruits anciens. Lorsque les autorités turques leur permettront de mettre en place un groupe d'action locale et un programme leader sur leur territoire, ils sont prêts à démarrer. Je représente l'autorité de gestion de la Hongrie. En Hongrie, il y a quelques mois qu'on a renouvelé le programme les coopérations internationales dans le cadre de LEADER. Alors, les Galles hongrois sont vraiment ouverts pour coopérer. Nous sommes dans l'Europe et nous sommes les différents pays, les différentes nations. Mais il est très, très important de travailler ensemble. Il faut commencer quelques projets internationaux avec n'importe qui de l'Europe pour mieux comprendre la culture, les traditions, les idées, etc. L'idée à l'émergence d'un projet de coopération, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il peut y avoir différentes choses qui se passent dans la vie des territoires pour qu'un partenaire se désiste. Et donc, sans multiplier les partenariats, être 3-4 au départ d'un projet de coopération, ça peut donner un projet de coopération très intéressant, à 2 ou 3 au final, mais d'avoir une diversité de points de vue pour avoir un plan d'action qui est d'autant plus enrichi une fois les premières discussions passées. Pour notre communauté d'agglomération Loire-Forêt, qui est un territoire leader, eh bien, je crois que nous venons de vivre un moment essentiel, parce que c'est un moment de stimulation de notre volonté de coopérer, d'avoir des coopérations transnationales. Donc je crois que ça fait vivre aussi à notre territoire quelque chose de tout à fait intense et de tout à fait pertinent dans notre développement. La densité des échanges, quand on regardait la bourse à la coopération et les rencontres qui se sont multipliées, je crois que ça témoigne d'une vraie réussite.
Eh bien, la nouveauté sur ce séminaire coopération, c'est ce tableau où on pouvait, chacun de nous, chacune de nous, laisser des messages, des post-it sur quel est votre slogan pour la coopération. Et là, on a pu laisser libre cours à notre imagination. Italien qui mène une action qui s'appelle Village de Tradition, et donc Gall Otarman souhaite s'associer à cette démarche qui est une label de valorisation de petites cités de caractère, et donc le président a signé un préaccord pour participer au projet tout simplement. Donc on s'engage d'ici la fin de l'année à participer à ce projet de développement, surtout de la communication au sein d'un réseau international. Pour Leader et pour la coopération en particulier, on sent une montée en puissance importante des projets. Nous avons devant nous tous de l'ordre de 30 mois pour arriver au terme de cette programmation. Et cet événement donc prend un caractère tout particulier aujourd'hui pour dynamiser tous les acteurs, que ce soit les GAL, les cofinanceurs, tous ceux qui les accompagnent au niveau des réseaux régionaux, pour aller créer et mettre en place ces nouvelles actions de coopération. On a pu voir au cours des deux journées de séminaires, de rencontres et au moment certainement des échanges de la foire à la coopération qu'il y a des idées de projets qui fourmillent un peu partout en Europe. Il y avait une très bonne représentation d'égal venant de différents États membres. Je pense qu'il y avait 11 États membres différents qui étaient représentés. Donc ça montre qu'il y a un intérêt des territoires pour rencontrer les autres. Et ça montre surtout qu'en s'associant, en travaillant ensemble, en partageant des expériences communes ou en se lançant dans des initiatives un peu nouvelles, on peut apporter des nouvelles solutions à des problématiques qui sont similaires à différents endroits du territoire européen.